Peut-on prendre un zolpidem avec un alprazolam? Je doute que ce soit une excellente initiative. Alors l'alprazolam, c'est un benzodiazépine. Le zolpidem, c'est bien ça? Oui, n'en est pas un. Enfin, en tout cas, c'est pas de la famille des benzos, mais il est apparenté à la famille des benzos. Donc, prendre les deux en même temps, ben, l'un va renforcer l'effet de l'autre et ça peut mettre une grosse, grosse cartouche à l'organisme, au cerveau. Alors le mélange des deux, ben, va faire que l'état de somnolence, l'effet sédatif va être plus, 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 plus. Donc, c'est pour tomber dans les pommes direct. Ça va augmenter aussi les troubles de concentration, les troubles de la mémoire. Il peut y avoir des chutes, puisque voilà, quand on est en train de somnoler, on peut facilement se casser la figure. Il peut aussi y avoir pas mal de confusion, voire même des problèmes de déglutition. Donc tu peux facilement t'étrangler avec ce que tu seras en train de manger. Sans parler du fait que l'un comme l'autre peut provoquer, enfin en tout cas benzo j'en suis sûr, zolpidem je me rappelle plus trop, mais en tout cas voilà. Il y a quand même un gros risque de dépendance et c'est jamais gai, puisque quand il va falloir arrêter le truc, ce sera pas comme ça du jour au lendemain, comme ça, tac, on prend plus rien, non. Il y aura un schéma régressif à mettre en place et ça s'arrête vraiment progressivement. Donc voilà, quand même, je pense que les deux mélangés, c'est pas super conseillé, quoi. Donc avant d'avoir consulté un médecin, ne le fais pas, surtout ne mélange pas les deux. Seul un médecin généraliste ou un psychiatre pourra te dire, bon, bah, écoutez, effectivement, avec ce que vous avez, vous pouvez prendre les deux en même temps, mais je doute du truc, franchement. Je doute fortement que les deux en même temps, ce soit conseillé par la médecine, quoi, tu vois. Peut-être, à la limite, un alprazolam en journée. En début de journée même peut-être, au milieu de journée, enfin peu importe, et le zolpidem le soir. Mais les deux directement en même temps, c'est mieux d'en parler d'abord à un médecin, un professionnel de la santé.